I had this dream. I felt the dream. Like you had in a dream? Yeah, I had a dream. Like I woke up in the morning where I was jumping from the mountain and re-entering the plane. So I go into my living room and I tell Fred, I just had this idea where we were flying back to the plane, jumping from the mountain. And what did Fred, what was your response when Vince comes running in and tells you this idea? What was your response? Well, on this mountain, you both jump off the mountain in flight suits, and then the plane has to get below you. Is that right? Yeah, he's on the side. Then we change side, and then we have the pilot that gives us the go for entry. Yeah. At this point, you take a deep breath. Yep. And you go. And then you take a deep breath, and then this is insane. This is madness, and you get into the plane. Spécialisés dans les sports aériens et ça fait nous 20 ans qu'on saute ensemble. Voilà, 20 ans d'amitié avant tout et puis de plein de délires aériens, de la wingsuit, le speed riding, la chute libre et puis les vols en jetman maintenant, donc voilà, il y a plein de choses. Au début on pliait des parachutes pour se faire de l'argent, okay. Pour se payer des sauts d'entraînement. En progressant, on a réussi à rentrer en équipe de France. Donc on a fait 10 ans de compétition en équipe de France, on a gagné 6 titres mondiaux. Ouais, j'ai vu ça. Et pendant ces années-là, pour vivre, parce que la compétition en parachutiste, ça rapporte pas, même si tu es champion du monde. Donc à côté de ça, on donnait des cours. Quand on a arrêté la compète, on avait plein d'idées en fait, et puis pas trop de moyens, et on voulait se lancer dans la réalisation d'images, dans des projets, on avait des rêves et on voulait faire des trucs. Après 1500 sauts en base jump, même après ça, on a toujours peur ou pas quand on saute? Ouais, il y a toujours une peur, ouais, c'est sûr. Une forme après, de peur, ouais. C'est pas naturel de se jeter d'une falaise. Ouais, je suis d'accord. On est très concentré avant le départ. Et la peur, ça permet de rester en vie. Parce que voilà, le jour où on n'aura plus peur et où tu te rends pas compte du danger, c'est là où t'es, c'est là où t'es vraiment en danger, en fait.
sauter en base jump en wingsuit, et c'est vrai que voler la nuit assez longtemps comme ça d'une falaise, c'était vraiment un truc qui nous attirait, quoi. L'idée, c'est de réaliser, nous on aime bien voler en synchro, réaliser des figures, des fois selon les endroits on peut voler sur le dos aussi avec les combinaisons de freestyle, on peut faire des changements de leader, enfin il y a plein de choses à faire, et du coup l'idée c'est de progresser aussi en fonction des spots et de se sentir suffisamment à l'aise à un endroit pour pouvoir imaginer des trajectoires, des voleurs synchro et pas juste faire le saut où tu vas entre guillemets survivre et t'éloigner et juste ouvrir le parachute. C'est vraiment utiliser au maximum le temps de vol et les pentes et des fois jouer avec le relief ou des fois s'en éloigner pour faire nos figures, etc. Essayer vraiment de mélanger les techniques qu'on a apprises en base jump et qui évoluent temps et avec les techniques de chute libre qu'on a acquises au fil des années et qu'on a pu s'entraîner en fait d'avion. Il faut savoir que ça fait 20 ans qu'on saute ensemble, là on est dans le mois où on fête nos 20 ans de vie commune, nos 20 ans de travail en équipe et puis ça fait toujours plaisir de pouvoir partager ça ensemble. On a eu déjà beaucoup d'entraînement sur la préparation des sauts de compétition à l'époque en parachutisme. Donc on a l'habitude, c'est vraiment une habitude, il faut imaginer, c'est 20 ans de sauts en commun, donc c'est dur à décrire, mais on se connaît très bien. Donc quand on je sais ce qu'il va faire, vol, il sait ce que je vais faire. On a commencé le base jump pratiquement en même temps. On a toujours cherché à repousser un petit peu les limites de notre sport, que ce soit dans la compétition ou dans les projets qu'on a réalisés. Là, concrètement, pour ce projet-là, on voulait sortir la wingsuit de son élément habituel et créer quelque chose de complètement nouveau. Et là, on va attaquer un phare, quelque chose qui est emblématique. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à l'évolution des combinaisons aussi. Dû à l'augmentation des performances des wingsuits, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment remonter. Alors l'idée, c'était de montrer la performance sur un sol complètement plat. Et bien sûr, un des endroits qui est le plus représentatif, c'est le niveau de la mer. On peut vraiment bien se rendre compte que là, pour le coup, il n'y a pas de cassure. On est au niveau zéro. Là, ça monte, tu vois, 26, 23, 21. On passe le phare, on se remet sur un virage droit. On ne suit plus une pente, donc la trajectoire, elle doit être parfaite. Ouais. C'est une bataille mentale entre ce que tu veux faire et ce que ton cerveau ne veut pas te faire faire. C'était extraordinaire, la prise de vitesse là, on était côte à côte. C'était ouf. C'était ouf. C'est, ça pique. C'était ouf, ouais. Ah non, c'est ouf. Comme c'est ouf.
c'était dingue. Ton sourire d'ange s'en est allé, mais ta légende, elle, restera éternelle. L'homme volant, Vince Ruffey, 36 ans, est mort dans un accident lors d'un entraînement à Dubaï. L'accident s'est produit sur la base Jetman, dans le désert en périphérie de la ville. Il fait actuellement l'objet d'une enquête.